Dans quelques jours, vous pourrez voter pour élire des eurodéputés. En France, on devra mettre un bulletin dans une enveloppe, puis dans l'urne. Ce bulletin devra être au format A4, par exemple celui de Espéranto Langue Commune, comme celui-ci. C'est une bonne idée, mais vous aurez d'autres choix possibles. Il y en a de plus jolis, avec un portrait de candidat ou un logo, ou bien imprimé en vert, ou en bleu, ou en rouge. Et tout ça, ça fait beaucoup de gaspillage de papier, et c'est coûteux, d'une part pour les pauvres listes qui ne seront pas remboursées parce qu'elles n'atteindront pas les 3%, et d'autre part pour les finances publiques qui rembourseront les listes qui auront dépassé 3%. Et ça fait beaucoup de travail pour les employés de la préfecture et de la mairie qui doivent répartir les bulletins en bonne quantité dans les différents bureaux de vote et dans les enveloppes à distribuer par la poste. Et il y a toujours des erreurs. Est-il possible de faire mieux ? Comment font nos voisins de l'Union européenne ? En fait, beaucoup utilisent le système du bulletin unique, par exemple l'Allemagne. Je vais vous montrer le bulletin allemand à partir d'une image de Wikipédia. Donc la largeur est de 21 cm, comme pour une feuille A4 en France. On y voit le nom de chaque liste avec les noms des premiers candidats. Et on coche la case, ici, de la liste choisie. Et vous savez qu'en Allemagne comme en France, il y a beaucoup de listes. Il y en a plus de 30. Donc le résultat, c'est que ça fait un bulletin très, 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 très long. Plus de 80 cm. Mais quand même, ça fait moins que 3 feuilles à 4. Moins de papier gaspillé par rapport à la situation française. C'est plus écologique, beaucoup moins de gaspillage de papier que le système français. C'est aussi plus économique pour les finances publiques, qui remboursent actuellement les listes ayant plus de 3% des suffrages, mais aussi plus économique pour les petites listes qui ne seront pas remboursées. En plus, le travail des pouvoirs publics est facilité, on ne peut pas se tromper, on apporte les bulletins, le seul bulletin au bon endroit. Alors on peut se demander, pourquoi s'en priver ? Pourquoi ne pas le faire aussi en France ? Ça serait beaucoup plus simple, beaucoup moins coûteux et beaucoup plus équitable entre toutes les listes.